Shalom, 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 Ujan, Ujan. Je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedec. Atia normal. Un temps de grâce est arrivé pour toi, un temps de bénédiction est arrivé pour toi. C'est pourquoi une opération est lancée. C'est l'opération Allons aux voyants. Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, il est écrit autrefois, quand on allait voir un homme de Dieu, on disait « Allons aux voyants ». Et nous voyons que dans cette histoire, Saül cherchait l'ânesse de son père, sans savoir qu'en cherchant cette ânesse, la royauté l'attendait devant. Cette opération a été inspirée par le Saint-Esprit, parce que nous préparons des grands événements, de grands programmes bientôt, une grande tournée pour des programmes, que ce soit en France, aux États-Unis et en Afrique. Écoute-moi, tu fais partie peut-être certainement des personnes que Dieu a choisies pour être bénies. Nous attendons à peu près 2000 à 3000 personnes. Mais je prophétise que les 100 premières personnes rentreront automatiquement dans leur bénédiction. L'opération Allons aux voyants ne sera pas pareille que les autres actions que nous avons faites. Tu ne vas pas écrire ton sujet de prière pour envoyer. Tu contactes la secrétaire du bishop au 06 24 08 56 89 00 33 6 24 08 56 89 et tu t'inscris pour cette opération. Mais il est écrit, on ne va pas les mains vides. On ne va pas voir un prophète les mains vides. C'est écrit dans ce même passage. Alors tu prépares une offrande. Nous espérons et nous attendons que tu fasses le fort que ton offrande soit au-delà de 100 euros, au-delà de 100 000 francs CFA. Maintenant, si tu es vraiment une personne dans des difficultés et que tu n'as pas assez de ce moyen, si tu peux atteindre au moins 50 000 ou 50 euros, fais-le. Ou ce que Dieu te met à cœur que tu peux, fais-le. Mais si tu sais que 100 euros ou 100 000 n'est vraiment rien pour toi, il faut que tu ailles au-delà. Même si tu peux atteindre 1000 euros, fais-le. Parce que c'est des grands programmes que nous préparons. Tu dois toucher le cœur du voyant, tu dois toucher le cœur du prophète, afin que Dieu puisse l'utiliser pour révéler des choses dans ta vie. Ce que tu as perdu, que tu puisses le retrouver. Et que tu puisses aussi rentrer dans ta destinée. Cette année ne doit pas finir avec encore des épreuves, des difficultés sur ta vie. L'opération Allons aux voyants est lancée par le bishop Melchisedec. Nous attendons vos participations. Ne m'appelez pas directement. J'ai déjà donné le numéro de la secrétaire. C'est elle qui va inscrire les gens. C'est elle qui va prendre les offrandes. Elle me met en contact avec les gens, elle me met, donne le numéro de téléphone. Et ce qui se passe dans cette opération, c'est que chaque jour, j'appelle au moins 3 à 4 ou 5 personnes par rapport au nombre d'inscriptions. Et je prie avec ces personnes. Ça peut être un appel audio comme ça peut être un appel vidéo. Je vais prophétiser dans sa vie. Je vais révéler les choses passées. Je vais révéler ce que Dieu prévoit pour lui. Et je vais le conduire, je vais lui donner la direction pour qu'il puisse rentrer dans sa bénédiction. Tout ce que tu as perdu, tu vas donc le retrouver. Et tout ce que tu recherches, Dieu va te le donner. Donc cette opération est lancée. Nous comptons vraiment, vraiment sur vos participations. J'ai prophétisé que les 100 premières personnes sont déjà bénies. Que Dieu te bénisse pour cette opération. Et je sais que tu vas participer. C'est lancé depuis hier. Maintenant, à vous de participer. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que les anges qui veillent sur mon ministère vous localisent déjà. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.